sais pas par où commencer pour être honnête. Ben, je peux commencer déjà par le début. Le début, c'est qu'on avait un projet commun entre les frères Rousselot et les frères Postiaux. C'était tout simplement de pêcher ensemble, de passer un super bon moment ensemble. Il faut dire qu'avec les Postiaux, on commence à se connaître un petit peu. On a fait des sessions ensemble, on les a vus même en dehors de la pêche. C'est des mecs super sympas. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une session à quatre et puis pourquoi pas aussi faire la session de notre vie à quatre. Après tout, pourquoi pas quoi. C'est les deux fratries, c'est la suite logique des choses quoi. On a choisi un lac. Ça fait un petit. On a réfléchi pendant longtemps. On a préparé la session pendant un an à peu près. Pendant un an, on a réfléchi, on allait pêcher le lac sans vouloir vraiment prendre des poissons, mais juste pour comprendre les dynamiques. Et c'est là où on a posé les fondations, en fait. On a commencé à circuler, à pêcher sur 3, 4, 5, 6 postes différents, un peu tout autour, en essayant de trouver des cannes, des petits spots qui produisent du poisson. Et en fait, à chaque session, on en apprenait de plus en plus sur le lac. Ju et Yo, ils sont allés faire quelques pêches de pré-réglage et aussi de découverte vraiment des spots qu'on allait pêcher. Les mois, ils ont passé, on a commencé à affiner quelques petites stratégies pour le démarrage de cette session hivernale. On n'avait jamais fait ça avant. Grosso modo, le but, c'est d'amorcer là où on ne pêche pas. C'est-à-dire qu'on a amorcé un poste et on en a pêché un autre. On était en train de créer un garde-manger, en fait. Ce qu'on a appelé pendant la session un garde-manger, qu'il fallait toujours garder de la bouillette sur ce garde-manger pour mieux en faire de l'autre côté du lac. Si on voulait les rendre un peu plus faciles à prendre, il fallait qu'ils mangent nos bouillettes dans une zone où ils n'étaient pas pêchés, pour qu'il n'y ait pas de pression, pour qu'ils soient au calme. C'est un peu contradictoire, mais on a remarqué que ça a fonctionné. Ouais, c'est un concept. C'était une stratégie qui était quand même assez folle. En tout cas, pour notre pêche à nous, c'est assez inédit quand même. C'est parti. Attention. 3. Mais regarde pas, regarde là. Ah ouais. 1, 2, 3, go. Allez, ça c'est fixe et après ouais. Ça peut bouger. Quoi. Prêt ? Ouais. Vamonos. On est arrivé avec Lolo. Une demi-journée avant Matteo. Premier jour, on arrive, chaud bouillant, on avait amorcé à l'avance, on a mis nos stratégies en place, on avait déjà tout prévu en fait. On avait loué un gîte parce qu'on n'avait pas le droit de pêcher de nuit, donc on se levait tôt le matin, donc on arrive vers 5h30, 6h. On sait que ça mord bien le matin, alors on s'est levé à l'aube. Chaud bouillant quoi. On s'est installé sur un poste qu'on pensait bon. Tire toutes les cannes, nickel, précis, comme on avait décidé. Et j'étais sûr qu'on allait faire vraiment un carton. Rien du tout. Pas un bip quoi. Pas un bip, ça voulait pas. Même pas un signe d'activité. C'est de la merde ça. Rien. Pas un signe d'activité, que dalle. Attends, coupe. Ouais. Je vous dis pas l'ambiance en rentrant au gîte le soir. Hein. L'enfer. On était là, mais est-ce qu'on s'est trompé quoi? Ça va être remise en question. Au deuxième jour, on se lève pareil, 4h30 du matin. On démarre du gîte. Le camion, gelé. C'était moins 14 je crois. Le pare-brise gelé à l'intérieur et à l'extérieur. On arrive sur zone à l'heure. Sur place. Tous les cailloux gelés. Ça glissait tellement, on s'est ramassé plusieurs fois. On se demandait même si le lac allait pas geler. On pêche, on s'applique, pas un bip. Pas un bip. 30 heures de pêche. Pas une touche. Aucun départ, pas un signe d'activité. Grosso modo, c'était la merde. Est-ce qu'on a vraiment mis en place la bonne stratégie quoi? On a eu la réponse peu de temps après. Sous la pluie là. Putain, un monstre. Sous la pluie. Mira. Un monstre aux plantes, c'est le déluge. Allez, tu nous la montres. Allez, regarde ça. Oh. Attends, si j'arrive à mort. Oh là là. Là. Oh. Putain, c'est magnifique. C'est une magnifique. Folie. C'est une folie. Énorme. Oh. Allez. Bye bye. kg 7 quoi. Miroir parfaite, super belle. Le rêve d'une vie quoi. Le rêve d'une vie. Un monstre. Un monstre. Une miroir gigantesque. Un monstre. Il faut s'imaginer la bête quand on l'a mis dans l'épuisette. On était là, on s'est regardé, on s'est dit mais c'est quoi cette session? Qu'est-ce qui nous arrive? Le tapis, il était presque limite. Elle faisait tout le tapis. À un moment, on se demandait si le sling allait pas être trop petit même. Et en fait, c'est cette carpe qui non seulement est énorme, mais en plus c'est elle qui lance la session. Cette journée qui va se passer, là je l'oublierai jamais.
Je sais pas combien on fait 5 poissons dans la journée. Bim, une grosse carpe, une grosse commune, une foulie, un poisson de plus de 30, une miroir, encore une. En fait, chaque poisson était exceptionnel. Remise à l'eau de ce poisson exceptionnel. C'est une fulie ou linéaire fulie, c'est un poisson exceptionnel. Et en général, quand on fait des poissons comme ça, bon, ils ne dépassent pas les 15-20 kilos. Mais là, va savoir pourquoi. 27. Bah, les écailles, je vais te dire, ouais, bien comme ça, je dirais. Comme ça, sur ça de long, quoi. Incroyable, linéaire, bon, exceptionnel. 30 kilos, miroir, pris avec les RHC. De coupe carpe, une bille qui travaille bien l'hiver. Super, on va la rendre, on va la remettre à l'eau tranquillement. Elle a bien mérité. Sans mentir, je pense que la carpe, elle était large comme ça. Large comme ça. Ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, je savais pas que ce serait pas la plus grosse qu'on prendrait. Au moins large comme ça, un monstre énorme. Peut-être ça de largeur. Ouais, large comme ça, quoi. Large comme ça, 1m10 de long. Incroyable. En hauteur, 60 cm de haut. Ce monstre. Je me suis cassé le dos, quoi. Et ben celle-là non plus, j'arrivais pas à la porter, en fait. Hein. C'est clair, j'étais obligé de la prendre dans mes bras, comme ça. Un poisson sensationnel, pris au petit matin. Miroir de 40.4. Putain! En public, exceptionnel. Incroyable! Incroyable, poisson d'une vie. On va essayer de la monter un petit peu. Oh la vache! Elle est importante. Oh la vache, le monstre! Tiens, Yvan, recule, on voit pas la queue. Voilà. Elle est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Énorme, énorme. On va la relâcher. On veut pas trop traîner parce que, bon, à mon avis, elle est pas toute jeune, donc ça sert à rien de la laisser trop longtemps dehors. Exceptionnel. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. C'est marrant parce que j'ai toujours. On les a vus, ces photos de 40 kilos là, dans le privé, tout ça. Où tu te dis, mais en fait, ça, c'est des poissons que je verrai jamais dans ma vie. C'est possible, en fait. On s'attendait à ce qu'il soit énorme parce qu'on a eu du mal à le soulever, à le mettre dans le sling, de le mettre dans le tapis, etc. Mais quand ça affichait vraiment 40.4, un truc de fou, on a sauté partout. Enfin, on a reposé la carpe avant, mais on a sauté partout, on s'est fait des bisous, on a bu des bières, voilà, on était trop contents. Évidemment, un poisson aussi gros, c'est forcément l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire que je pense que c'est le fantasme d'énormément de carpistes, de beaucoup de carpistes. Mais ça doit rester un fantasme quelque part. C'est une sorte de poisson métaphysique, ça n'existe pas dans le réel. Et d'un seul coup, dans un lac public, hein, on n'est pas en privé là, hein, dans un lac public, on en voit une devant soi, sur le tapis, et là on prend conscience que c'est réel. Et je sais pas, il se passe quelque chose. C'est à la fois une sorte de nostalgie, c'est-à-dire on se dit, ça y est, c'est fait, donc peut-être qu'on ne le vivra jamais plus. Et d'un autre côté, c'est une joie immense et la concrétisation de quelque chose, vraiment. L'attraper à ce poids-là, c'est quand même grandiose, mais c'est sûr qu'un poisson comme ça, je pense que tu n'en fais pas deux dans ta vie, c'est clair. On était venu pour elle, hein. c'est clair qu'on était venu pour elle, et je m'attendais pas à ça. On s'en doutait un peu, quoi. On s'en doutait. Entre s'en douter et l'avoir sur le tapis, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. C'est un tournant dans la vie dans ma vie de pêcheur, c'est un tournant dans la vie de mon frère, de mes potes, c'est ouf.
Franchement, c'est ouf. J'aimerais que tout le monde voit ça un jour sur un tapis de réception, ouais, carrément. C'était un mythe de le voir à ce poids-là. Et en fait, à la base, on pensait que c'était un gros poisson qui pouvait peut-être atteindre ce poids-là, mais on ne s'attendait pas forcément à le faire vraiment. Et c'est ce qui a rendu cette session vraiment mythique, en fait. Et ça donne de la signification à ce mot. C'est inimaginable. Avec Lolo, c'est facile, on pêche ensemble depuis qu'on est tout petit. On se connaît parfaitement. Et c'est une pêche commune. On n'est pas là pour faire une compétition. Et c'est partage à fond tant que les objectifs sont remplis. Avec Chio, on partage depuis toujours, de toute façon. Ça a toujours été ça. Même quand on était gamin, qu'on allait pêcher dans le Rhône, on partageait tout, quoi. Et si on ne faisait pas un départ sur deux, il y en avait un qui était crevé, il ferait la canne de l'autre. On s'en est toujours foutu. Le matériel ne nous a jamais appartenu, hein, vraiment à nous. Nous, on a déjà pêché avec Johan plusieurs fois. Des sessions en petit binôme, des sessions une fois il y avait Mathias, une fois il y avait Lolo, etc. Il y a, en fait, c'est venu naturellement, tout simplement, parce qu'il y a une vision de la pêche qui est plus ou moins identique. On dirait moi et Mathias 10 ans en arrière, quoi. La niaque de malade. On s'entend bien, on a des objectifs communs aussi, ça pousse, et on a une identité. Je les adore, ces deux petits, ils sont vraiment... Ils sont toujours motivés, ils ont toujours la banane. Et à l'arrivée, ça fait une combinaison vraiment détonnante, quoi. C'est des très, très, très bons pêcheurs. Et on partage tout du style, chaque départ, en fait, c'est au plus efficace. Tant que le poisson est dehors, on s'en fiche de qui faire, on s'en fiche de qui fait la photo. Et Yo et Matt, c'est pareil. Donc tout simplement, quand on est à 4, eh ben, même si c'est moi qui ai posé la canne et que Yo faire, que c'est Mathias qui fait les photos, tout nous va. Tant que le poisson est dehors et que l'objectif est rempli à la fin. C'est le principal. Le concept, c'est que les poissons, ils appartiennent à tout le monde. On est tous les quatre, les poissons, ils appartiennent à personne. Ou plutôt, ils appartiennent à tout le monde, en fait. C'est comme si on était quatre frères. Le poisson, il appartient à l'équipe entière, quoi. En fait, il n'y a pas de c'est le poisson de Lolo, c'est le poisson de Matt, c'est le poisson de Yo. Non, c'est le poisson, il est à tout le monde. C'est des poissons communs, quoi. C'est une session commune. Et c'est des moments qu'on partage qui sont en commun. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on n'oubliera jamais. Ah ben, le spot 61, c'est pas compliqué. Hein. Pour moi, dans ma tête, je suis sûr que c'est le spot en Europe où il y a le plus de grosses carpes qui est passé au-dessus. C'est pas compliqué. Hein. C'est un petit peu comme la zone 51 aux États-Unis, quoi. Il y a que des trucs exceptionnels là-dedans. Parce que vu la moyenne qu'on avait dessus, voilà, un départ par jour, pas plus. Je pense qu'il y a une moyenne à 30 kg sur ce spot. C'est n'importe quoi. À chaque fois que ça partait, je vous dis que... chaque départ, c'est grosse pression. Hein. Parce que quand on voit ce qui sort, à chaque fois, c'est la pression. Quoi. Alors du coup, on les ramène doucement parce que évidemment, on ne veut pas que ça décroche. Pendant ce temps-là, deuxième départ. Donc du coup, il y en a un qui se met à cavaler, l'autre qui est là pour épuiser, il y en a un qui fait un montage. Ça n'arrête jamais. C'est le spot le plus fou de la planète. On a fait... Les deux derniers jours avant de rentrer, on a fait 2,33 dessus, ouais. 2,33, demi-roir. J'aimerais pas être une petite écrevisse sur ce spot. 33 kilos, le lendemain ça part, 33 kilos. Calibré, quoi. Calibré, je sais pas si c'est le bon mot, en fait. C'est. Mais c'est dur de trouver les bons mots quand on parle de quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Essayez de me la présenter vite fait. Ouais, elle est grosse. Super. Hey, ciao ma belle. Voilà, encore un super poisson. Énorme. C'est un monstre, 34 kilos. Un monstre. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du poisson. C'est ouf. Regardez ça. C'est malade. En fait, ce qui est important avec un poisson de cette taille-là, toujours manipulation dans l'eau, un bon tapis de réception, toujours y prendre soin, parce que ça, c'est des poissons qui sont difficiles à manipuler avec des poids pareils, c'est pas évident. Et voilà, si on veut avoir la chance de les reprendre plus tard, ou que les autres puissent les reprendre, l'important, c'est d'y faire attention. Ça fait partie de nos cheptels français, c'est primordial de les préserver. Énorme. C'est un monstre. Oh là là, putain, ouais.
Je crois que c'est le plus impressionnant quand elle part comme ça dans l'eau. Ah mon pote. Eh, on peut dire que en ce moment. C'est des moments qui marquent une vie, je pense. Moi, personnellement, je ne revivrai jamais une session comme ça de ma vie, jamais. Moi, j'ai pas pu venir souvent, mais je me suis régalé à chaque fois. Je pense pas qu'on refera ça un jour, une telle série de poissons. Ce dont je suis le plus fier, c'est de la stratégie. Ça fait plaisir, quoi, de dire ça a marché. Le truc le plus fou, c'est que ça ait marché, en fait. Malgré les difficultés du lieu, réussir à prendre les poissons qu'on était venu chercher. Toute cette préparation, tous ces films qu'on s'était fait dans notre tête, ça a apporté ses fruits. Les résultats exceptionnels. C'est 7 poissons de plus de 30. Je m'en souviens d'une grosse 30 là qu'on n'arrivait pas à mettre dans l'épuisette. Une commune de 32 quoi. Encore quelque chose d'exceptionnel. C'est une miroir de 40,4 kg. Le kiff total. C'est énorme. Puis quand on a commencé à la voir arriver, à la mettre dans l'épuisette, cette masse. Et je la revois encore se tordre. Au moins 15 poissons plus de 25 en plus. En fait, j'avais jamais imaginé dans ma vie prendre des poissons comme ça. C'est incroyable. C'est exceptionnel, inimaginable. Légendaire. Mythique, je dirais. Je pense que ça, c'est des moments vraiment. Enfin, tu les vis qu'une seule fois, quoi. C'était la session de rêve par excellence. C'est génial, c'est génial. Pourquoi on va à la pêche, au fond ? Bon, j'en profite qu'on soit entre nous, là, mais bon, petit big up à Jus, hein, forcément, je suis obligé. Il s'est vraiment, vraiment, vraiment investi dans la session. Et donc, merci beaucoup, mon pote. Vraiment, c'est cool. Merci, Vince, de Kupka. Gracias mucho, amigo. C'est en partie grâce à toi que ça a marché aussi. Alors, la 40. Quand il y a un poisson qui est sorti, qui fait les photos ? Du pur bonheur. Oh, bien mieux que ça. Mec, il parle oui, comme ça à sa femme, mon dieu. Ça fait trois fois que tu nous fais chier. Mais oui, mais alors vas-y. Parle un petit peu de la stratégie d'amorçage. Ouais, la stratégie d'amorçage, ouais. Ouais, c'est ça. Tout ah ouais, mec, putain. Ah, c'était de la bombe. Allez, vas-y, refais-moi. Oui.